Story Time at Home. Presented by Public Library of Cincinnati and Hamilton County. Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et aujourd'hui nous allons lire ensemble une histoire en français qui s'appelle « Dis bonjour » et c'est écrit par Jean-Charles Sarrazin. Hi everyone, today we're going to be reading a book in French together. My name is Jeanne and it is « Dis bonjour » and it's written by Jean-Charles Sarrazin. Ce que Lapinou déteste le plus au monde, c'est dire « bonjour ». Il n'aime pas dire « bonjour », c'est pas très poli. Ce matin-là, Lapinou et sa maman croisent d'abord Madame Canard. « Dis bonjour à Madame Canard », dit la maman de Lapinou. Lapinou ne répond rien. « C'est pourtant facile », dit Madame Canard. « Écoute !» Elle s'approche de Lapinou et dans son oreille crie très fort. « Coin ! Coin ! » Lapinou se sauve. Il a eu peur. Mais pas de chance. Voilà Monsieur Éléphant qui, du bout de sa trompe, veut lui serrer la patte. « Bonjour, Lapinou, comment ça va ?» crie Monsieur Éléphant en secouant Lapinou dans tous les sens. Même si Lapinou voulait répondre, il ne pourrait pas. La tête lui tourne bien trop. Il est complètement secoué. Catastrophe ! Mademoiselle Cochon a aperçu Lapinou elle aussi. Elle se précipite sur lui et le couvre de baisers. « Mon petit Lapinou chéri, scotch, scotch, bonjour, bonjour !»« Berk !» pense Lapinou, qui ne dit toujours rien. Il a l'air vraiment dégoûté. À peine a-t-il échappé à Mademoiselle Cochon que Monsieur Ours l'attrape et le serre très fort contre lui. « Bonjour mon petit lapin, comment vas-tu »« J'étouffe !» a très envie de répondre Lapinou. C'en est trop pour le pauvre Lapinou. « Je ne veux plus jamais qu'on me dise bonjour » s'écrie-t-il. « Et de toute ma vie, je ne dirai jamais plus bonjour à personne !» Il se sauve loin, très loin, le plus loin qu'il peut. Lapinou n'est pas très rassuré, car il ne sait plus où il est. Tout à coup, il entend une voix. « Bonjour, mon petit lapin !» Comment ça va? Qui est là, les enfants? Vous avez vu? C'est le loup. Lapinou l'a tout de suite reconnu. Celui-là, vraiment, pas question de lui dire bonjour. Lapinou essaie de se cacher sous une touffe d'herbe, mais le loup l'attrape par les oreilles. Dites donc, petit mal poli, on ne t'a jamais appris à dire bonjour? Ma maman me défend de dire bonjour aux inconnus, répond Lapinou. Moi? « Inconnu ?» s'écrie le loup vexé. « Mais tu plaisantes ! Tout le monde me connaît ! C'est moi qui terrorise les trois petits cochons, qui ai mangé le petit chaperon rouge à sa grand-mère et l'agneau à la rivière. Tout le monde me craint. Et toi, tu ne me dis même pas « bonjour !» Lapinou ne répond rien. « Eh bien, tant pis pour toi !» gronde le loup en montrant toutes ses dents. « Il va le manger !» Ça suffit ! Barrit Monsieur Éléphant furieux. Ah, tu veux qu'on te dise bonjour ? Je vais te dire bonjour, moi ! Et il attrape le loup par la queue et le fait tourbillonner dans les airs. Bonjour ! Bonjour et rebonjour ! À mon tour ! Crie Monsieur Ours en écrasant le loup contre lui. Bonjour, mon cher loup ! « Viens m'embrasser, mon gros loulou !» dit à son tour Mademoiselle Cochon, en étouffant le loup sous des baisers mouillés. Tout le monde écrase le loup de bisous. Le loup n'arrive plus à reprendre son souffle. Il ne tient même plus sur ses pattes. Il s'écroule par terre et reste sans bouger. C'est le moment que choisit Madame Canard pour lui dire bonjour, en lui criant dans l'oreille le plus retentissant des « Coin ! Coin !» Le loup bondit comme un ressort et s'enfuit, sans dire au revoir à personne. Et tout le monde est là qui sourit. Madame Lapin serre fort son Lapinou dans ses bras.
« Bravo, mon chéri, tu as été très courageux !» Puis elle ajoute « Et maintenant, si tu disais bonjour à Madame Canard, à Monsieur Éléphant, à Monsieur Ours et à Mademoiselle Cochon ?» Lapinou hésite, puis il répond « Demain, peut-être. » Et voilà la fin de l'histoire. J'espère que ce livre et cette histoire vous ont plu. Et maintenant, nous allons faire un petit jeu de main, une petite comptine, en fait, en français, avec des marionnettes. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Vous avez vu mes petites marionnettes? On y va. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font trois petits tours et puis s'en vont. Elles ont disparu. Les mains aux côtés, sautez, sautez, marionnette. Les mains aux côtés, marionnette recommencée. Elles recommenceront, les petites marionnettes. Elles recommenceront quand les enfants dormiront. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, j'espère que l'heure du conte en français vous a plu. That's it for today. Thanks for watching and I hope you enjoyed story time today. Bye! Au revoir! Get free books in the mail! Sign up today! Go to ohioimaginationlibrary.org to find out more!